Dit? Si les hommes en 2022 partout dans le, le, le monde Allez. se mettaient à choisir les femmes en Allez, fonction de leur rang social, mais déjà le taux de célibat est élevé aujourd'hui dans tous les pays. D'accord. Si les hommes agrandissaient de... leurs critères de sélection, plusieurs femmes se retrouveraient célibataires. Ah donc vous prenez les femmes par dépit. Bah oui. Euh, une femme qui pratique la sodomie pour un homme, du coup, est-ce que c'est un plus bah ouais, parce qu'elle est ouverte à plusieurs options. Elle est ouverte à plusieurs options. Mais je peux très bien euh, faire l'amour que euh, par mon vagin et être ouverte à plusieurs options en fait. Parce que à contrario, une femme par exemple qui ne veut que faire la sodomie. Bah là c'est un peu bizarre quand même. <laughs> T'en un oui, manque d'affection. T'en un manque d'affection oui, et tu vas te donner encore une fois. Tu te respectes pas. Mais oui, je suis désolée. Et les femmes, hein. Et hey, pardon, vous avez demandé <laughs> la vie d'un homme, et je suis sûr qu'il y a non, beaucoup des hommes. Non, moi, parce que ça veut dire parce que ça veut. En fait, toi, ça, ça te fait... fait mal que je te dise que tu te respectes pas. Non, en fait, c'est pas voilà, ça. C'est qu ça qui vous fait mal Pourquoi sexe Qu'est-ce que le sexe a à voir avec le respect Parce qu'en fait, je peux mais très bien. Bien sûr bien... que non, mais le attends, sexe a à voir avec un respect. Va coucher avec tous les hommes de ton quartier, tu vas voir si on va te respecter. Attends. Pareil, le mec qui va coucher avec toutes les filles de son quartier. Je crois que la fille non, qui veut se marier avec ce mec-là, il va respecter ce mec. J'entends ce que tu veux dire si tu veux faire des enfants. Tu es consentante, tu veux faire des enfants, tu veux élever tes enfants toi. Et en même temps, tu es carriériste, il y a forcément à un moment donné de ta vie, tu es obligé au fait de faire un choix. Pendant un moment, je dis pas que Bah trois mois, c'est voilà, c'est bon Trois mois. Tu vas donc tu vas prendre ton enfant de trois mois, toi qui as décidé. Après, moi, je parle par non, pour non, moi, oui, moi mais je prends les femmes, oui, qu'il faut parce que j'ai jamais je été dans ce Je prends cet exemple là, on reste dans cet <laughs> exemple. Vous avez voulu avoir un enfant. Toi et ton mari, pendant longtemps, vous avez essayé, vous avez essayé, ah ouais, c'est chaud, ça ne marche pas, avortement, nanana, na faut se coucher et tout. Vous avez enfin cet enfant-là que vous avez tant convoité. Trois mois après, l'enfant naît. On se dit, bon, allez, c'est bon, il est arrivé. Allez, je retourne au travail, je le fous à la crèche à trois mois. Le mari, il travaille, à, il finit à 20 h Toi, tu finis à 20 h Au fait, il y a un moment donné, vous faites venir des êtres dans la vie, Regardez votre situation en fait. Mmh. Non mais moi je vais te dire un truc, par exemple tu as des femmes, des femmes noires qui créent du contenu euh, très axé, euh, voilà, euh, black own, machin, machin, et qui sortent avec des personnes caucasiennes. Mmh. C'est très difficile pour elles d'assumer d'assumer, tu vois, de, de se montrer avec leur véritable amour parce qu'elles savent que derrière, euh, bah tu vas avoir ces euh, ses, ses followers qui, qui peuvent la ramasser, qui peuvent lui, en, lui envoyer des messages en mode ouais t'es une traître et tout et tout, tu vois ce que je veux dire?